Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonné. Abonné. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous, abonnez-vous à Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Londres, vous nous suivez depuis l'Allemagne, vous nous suivez depuis les États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, vous nous suivez également depuis la France, en République démocratique du Congo. Je vous dis merci beaucoup, chers compatriotes. Je vous demande toujours de vous abonner massivement à Edem TV officiel. Nous sommes là, c'est pour analyser l'actualité politique en RDC. Il y aura deux débats, les analyses approfondies. Nous sommes là pour donner de bonnes informations, car nous voulons que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Edem TV officielle. Merci à Gims Lokumu qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à mon réalisateur, monteur, caméraman Gims Lokumu, je pense à toi et que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Voilà, monsieur, dame, aujourd'hui, nous parlons d'un dossier très important. Félix Tshisekedi, Aouti Kozala. Na sommet to autokoza na réunion moko sur le plan africain. Je commence d'abord par vous dire que il est le premier vice-président de l'Union africaine. Il vient d'être élu il y a peu. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a kendaki na réunion wana oyebana ko sangisa Lorenzo Ouazali, président et Angola, a sangisa ke soso Museveni Ouazali, président ya Uganda, ayeko sangisa le soso na Kagame, président ya Rwanda. Problème est Zalaki Nini. Kagame et Museveni Babanda Koyo Kanate depuis plusieurs années. Et comment est-il sur le plan diplomatique, sur le plan économique également, c'est-à-dire quoi? Frontière, il y a Rwanda et Ouganda, et bien sûr, il y a Kangaki, la barrière, tout. Et d'ailleurs, comme vous voyez dans les images là, puisque nous avons les images que nous vous proposons, vous voyez déjà l'extrait là, vous voyez déjà que... voilà, là c'était Mkolo, il y a vendredi. Alors nous sommes là en train maintenant d'analyser. Félix est allé présenter ma bon office naé pour nous rapprocher des pays Oyo, Rwanda, Uganda, Bazala, Esikamoko, Basangana, Bazala Bomoko, Bakendeliboso. Maintenant c'est entre les deux peuples, il y a deux pays Oyo, Bazoza Nesengo. Pourquoi? Puisque les frontières sont fermées. Lorsque les frontières sont fermées, ces deux peuples qui en pâtissent. Pourquoi je dis cela? Population en Rwanda, bakota kana Uganda. Ce qui est sûr, bazapena ba commerce la bango basala ba petit commerce. Oya Rwanda bakena basoma biloko na Uganda, oya Uganda bakena basoma biloko na Rwanda et ba bakota koto bazongaka. Et ce qui est encore normal entre ces deux peuples, c'est que na Rwanda, il y a aussi des femmes burundaises, tout comme des hommes burundais. Na Uganda, il y a aussi des femmes rwandaises et des hommes rwandais. Oh, bah, si kutuba boti et consort, banape bazawana, ça prouve à suffisance que les deux populations, les deux peuples, baza obligés à vivre ensemble. Nous encourageons le président de la République, Félix, d'avoir posé un geste louable, un geste vraiment très, très apprécié. Pourquoi? Puisque il a réuni bato bazaki na bitumba bato banaki kubundisama et consort. Maintenant, je vais vous parler d'un dossier très important. Il y a un musicien chrétien, Kizito, qui était au Rwanda. Un Rwandais, ce musicien a eu le courage de chanter pour la paix. La paix comment? Entre la RDC et le Rwanda. Ce musicien a dit dans cette chanson, d'ailleurs vous verrez les images, hein? Puisqu'on a la chanson, vous voyez les images, il est là. Il est là, voilà. Merci beaucoup Gims d'avoir illustré ces images. Les gars est là. Ce musicien a chanté pour la paix. Il a dit que le Rwanda et la RDC sont deux pays voisins. Il dit encore, les deux peuples, à la place, Yako Bunda, Yako Kabwana, bah se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'ils sont des frères en Christ. Pour basala musala ba kende liboso, ba tonga, bikolo na bango. Bitumba entre les deux peuples, ils ont servir ne loko mon côté. Chose grave, musicien Oyo, babomiye nanan, abana ko belate. Il avait ni problème d'attention, il avait ni problème il y a diabète, ni problème de malaria. Akufika kamba lamba retrouvé akukufa. Oh nini, a se suicider.
comment quelqu'un peut se suicider comme ça? Et coïncidence, car il y a que au moment où a yembeli peuple rwandais, peuple congolais, bas sangana, bas aller si kamoko pour bas kende liboso, bas retrouver à Koufi. Nani abomi mutuana, nani abomiye. Raison pour laquelle je dois vous dire que nous, la RDC, Kimia Izanango, Bitumba Ozola la Est, le Rwanda est derrière tout ça. Le Rwanda, certes, c'est un petit pays. Au bas, utilisé par de grandes puissances. Au bas, on a poussé le cobalt, le cuivre, et consomme dans l'est du pays. Bas, utilisé ce petit pays qui est le Rwanda. Donc, le Rwanda aujourd'hui vient de nous prouver, ou bien vient de prouver à la face du monde, que c'est un pays qui n'aime jamais la République démocratique du Congo. Et c'est un pays qui ne veut pas entendre qu'on parle de la paix entre Rwanda et RDC. Et ça, ça laisse à désirer, ça doit interpeller notre président de la République. Puisque même les États-Unis aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, presque partout, hausse les tons et réclame une enquête claire, nette et sérieuse, pour ne pas dire aussi responsable, pour bailler ba source et l'Iwa Oyo. C'est absurde. Il y a Moutou Ayembeli P, RDC na Rwanda. Mais à Koufi, ba bétier massa c'était. Quelque chose au bétier massage et bien maman bé donc Rwanda l'affaire poison c'est connu de tous hein, ça on ne peut pas mâcher les mots. La guerre de l'Est, qu'est-ce que Félix est en train de faire pour mettre fin à cette guerre à l'Est du pays? Mais cette guerre, la communauté internationale est derrière cette guerre, c'est connu. Elle cherche à tout prix le minerai, le cobalt. Rwanda aujourd'hui est un producteur de cobalt, Azara Nangote et Utakawapi. Toujours en RDC. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer. Nous voulons la paix. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un jour, j'ai été avec quelqu'un que j'ai vraiment respecté beaucoup. J'ai aimé les analyses où il y a papa. Il m'a dit, Stéphane, Rwanda est un peu comme moi, Kotinda. Azali kaka mbwa oyo ba pesi drogue azokende pona kosoa mais eloko mutu eza nini ko luka ba kolombwa wana kosolola na bango po ba pesa soso mbwa drogue te po soa ba tute. J'avais beaucoup aimé ces réflexions wana ya papa et il m'a dit encore que la meilleure solution de mettre fin à la guerre à l'Est c'est de demander na ba la communauté internationale, la grande puissance union soana, ba vanda, toeba, bazo lukanini, autant sur Rwanda, zo pesa bango d'une manière frauduleuse, bisoto pesa bango d'une manière normale, pourvu que t'as gagné. C'est ce que Félix, c'est ce que tu fais déjà avec Motoya, Makamba, Microsoft et consorts, ordinateur et consorts, les milliardaires du monde, Bill Gates, ok, récemment, c'est dit contrôle Bill Gates, et zo kota marche, au moins de mars à mars et Zobandakalate. Donc les ordinateurs seront fabriqués en RDC par moi mini société à Bill Gates Ozala Ao. Or tu es très bien que ce qui va bandi ko travailler ce que Bill Gates va travailler dans Mboka na biso. Vous vous rendrez compte que un boko sepe la bomo na pendant que ba batterie est belé au et ça les makana ba cuivre na ba bilo ko belé ba cobalt na et ko salema on. Ao ba pile ba téléphone. Le Rwanda aujourd'hui vous produit un téléphone. Ah, la matière nini. Or, matière nini sur les accords de RDC. Et le temps, tout cela, c'est qu'on a battu. Pour bande qu'on a biso bazo koufa mingi. Bande qu'on a biso bazo koufa mingi na est. Tous les jours ici, on tue. Jusqu'à quand ça va finir? Solution yango. Oh, mon konzamboka. Au bas service et en renseignement bas Hollande Abisso à tout moment bas service et à sécurité nationale conseil de sécurité nationale au bas ministère Hollande Abisso ça nous fait du bien lorsque vous nous appelez lorsque vous les besoins que tous Hollande yo je suis content il y a quoi que bien nous batoaner bien nous batoaner service national de sécurité bas Hollande Nanga et vous appréciez parfois ce que je dis je suis très content je suis là c'est pour contribuer dans mon cannabis parfois je n'ai pas le temps à coucou cannabis bien facilement boy mais nous nous sommes là pour donner des idées pour que ce pays avance. Ce n'est plus le temps d'insulter nos dirigeants. Non, ce n'est plus le temps. On n'a plus ce temps-là. Yako finga bakonzi, on n'a pas ce temps-là. Tokomi na tango yako tongambo kanabiso. Ko proposer makanisi oyo longobani. Le président de la République,
locaux là, Azo joué un rôle très important, très capital dans la sous-région, puisque comme on a que Rwanda na Uganda, bah fongo les frontières ont été fermées. Aujourd'hui, le Rwanda est aussi capable, Félix Tshisekedi est aussi capable, y a coupé ça. Kimia entre Rwanda na RDC, parce que Kimia est coti entre ces deux pays, na banzike, dans des conditions basos à la violer à tout moment, au basos à la tuer à tout moment, massacré à tout moment, na béni, na est du pays. Ça ne fera du bien. Toyo kalama toyo nabiso ke bazana kimia. Trop c'est trop. On tue beaucoup à Beni. Les gens qui meurent à Beni sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos compatriotes. Ces gens-là méritent la paix. Ils méritent aussi l'épanouissement dans ce pays. Ils méritent aussi le développement social. Puisque ce qui toujours ça le comme côté pour nabatoana, c'est déplorable. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui prend les difficultés de la population, qui prend et bah makambonyon se sont rongés paix et se rongé makambo population à transformer on a ba décision à malam. Je sais très bien que Félix Tshisekedi est très fort sur le plan diplomatique puisque bilimbozo monana et c'est une fierté pour notre pays de voir un président de notre pays aller mettre aussi fin na ba différent il y a président Moussoussou pour Aza pour tout monde et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien chers congolais. Souci n'a pas que qui fait que ce qu'il dit trouve de bonnes stratégies pour nous aussi ça ma Kambouya est on a Rwanda on a Zaka Kambouya libo mambouya ba Melissa Diamba azo ko yakoboma na RDC wana moto ko pesa ki bien RDC et Zaka ka communauté internationale alors communauté internationale wana nde moto oyo esengeli ko solale malamu tourner na nyonso tourner nyonso sur le plan international, ils ont cinq makasi, ils ont sépili sabiso. Donc, qu'on mette en place des bonnes stratégies pour qu'on sépili ça. Puisque Kobo Manet, garçon comme ça, puisqu'il a chanté pour la paix, non, c'est un signal fort entre le peuple. C'est pour dire que Biso Awa, Tolinga Kabino Atamukete. Parce qu'il a chanté, il a demandé la paix. Il a dit que nous sommes le frère en Christ. Nous voulons la paix. Mais pourquoi le tuer? Non, non, ça c'est très horrible. C'est très très horrible et c'est de la méchanceté. Nous voulons la paix et surtout la paix pour les deux peuples. Chers Congolais, l'Est a besoin de la paix. Merci beaucoup à Gims Lokoum. Merci à tout le monde qui aime cette grande émission. Et nous sommes arrivés à la fin. A très bientôt. Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge. Là où c'est écrit abonné. Abonné. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous. Abonnez-vous à EDEM TV officielle.